Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiroan et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière. J'allais dire l'esprit, j'allais confondre avec mon autre chaîne, désolé. Notre mode carrière FM avec Valon sur FM16, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super bien. Bon, la dernière fois, c'était passé... Bof bof, voilà. On va dire bof bof, moitié bien, moitié... Voilà. On s'était quitté après un bon match face aux Young Boys. Donc on enchaîne hors caméra face à Malaga, de partout. Avec un doublé pour bien commencer le match, je balle des Keita. Et comme d'habitude, on s'est endormi, on est allé coucher, on a pris le doudou et la tétine. Et on est allé s'endormir. Puisque Malaga, avec un doublé de Ontiveros, ont égalisé. Bon, on se réveille face à Osasuna, en perdant quand même Camacho sur expulsion. Mais on arrive à gagner avec un doublé de Negredo, balle des Keita. Et pour but de Van Finkel et Riyad Boudbou sur penalty. Et on termine cette petite campagne hors caméra par un joli 0-0 face à Eibar. Ouais! Aujourd'hui, eh ben dans le programme, nous avons la deuxième journée face au Panathinaikos. On passe ces deux matchs pas trop intéressants pour atterrir en Suède à Malmö. Enfin, pas atterrir, ils jouent chez nous, pardon, je raconte. Mais bon, dans l'esprit, voilà, vous avez compris. Et on termine par un gros match face à l'Atlético de Madrid, qui est quatrième au classement. Justement, avant de commencer la Ligue Europa, voici le classement rapidement. Donc Villarreal, oui, Villarreal premier devant le Real, Barça, Atlético, Séville, Valence. Voilà. Donc on va dire que, allez, on intègre le Villarreal. Les six moyens et très gros sont, on peut le dire, à peu près à leur place. Tout va bien. On va dire que niveau logique, à part l'Athletic Bilbao, ils sont pas très bien placés. C'est plutôt logique le classement des six premiers. Bon, on avance, on avance, on avance. Donc, le Panathinaikos. Alors, le Panathinaikos, bon, pendant que je fais deux, trois petits changements au cas où. Donc, le Pana, bah, on va normalement, si on fait pas de conneries, on devrait quand même gagner ce match, je pense, tout de même. Mais bon, on est sûr de rien, hein, on est sûr de rien. Ah non, il est blessé. Bah, j'ai une idée parce que Rui Pedro peut courir, donc on met Negredo au centre et Rui sur le côté puisqu'il a 16 de vitesse, donc ça ira. Baldé était trop fatigué pour jouer. On va mettre Juan Valencia. Tiens. Bah les copains, allez parti puisque la compo, vous la connaissez, let's go. Face au Panathinaikos, qui est, on va le voir, qui est deuxième du groupe après sa victoire face à Malmö. Attention, ils ont quand même gagné leur premier match. Il va falloir rester concentré. Ils ont un 4-4-2, plus ou moins classique. Il faut quand même autre chose. Voilà, quelque chose vraiment pour vraiment bien les motiver. Voilà. Et voilà. Bon. Allez, on y va. C'est partita pour les partitas de football en Espagne pour la Ligue Europa. Va falloir les éclatasses. Allez, attention, peut-être Danilo. Danilo. Oh, ouais, non. Si, but de Cartabia. Si, but de Fede Cartabia. J'ai cru avoir vu le ballon. Qui était, bah, on va le revoir. Normalement, il était contré. Donc là, on va le voir sur ce centre. La tête de Cartabia, ouais, voilà, contré par la barre et remis par Batafas. Balafas. D'accord, ok, je comprends pourquoi. Ah bah, oui, c'est pour ça que j'ai cru qu'il n'y avait pas but, mais si. Allez, on commence bien, mais il faut rester concentré. Allez, Cartabia, oh, il court très vite, Cartabia. Oh là, oh, attention, c'est chaud. Pas fini, Gomez, Reyes, Rui, et Pedro, et but! But de Termi, Rui Pedro, la machine! La machine. Avec cette superbe action. Là. Et là, tranquille. Il va frapper du droit. Du gauche, pardon. Pff, magnifique, magnifique. Droit à gauche. Pff, il est trop fort, oui. Hop! Hop! Ah, bon, ils étaient pas loin de la catastrophe. Là, le Panathinaikos, pour l'instant, c'est de l'eau. C'est de l'eau pour l'instant, mais attention. Attendons de bien les exploser avant de dire c'est de l'eau ou pas. Gomez, Daniel Reyes, Pedro. Oh, Cartabia, non! Non. Ça fait deux fois qu'il a chaud, là, le gardien. En plus des buts, des deux buts.
Ouais, ils ont toujours pas tiré, hein. Ils ont toujours pas tiré. Dans les commentaires, enfin, l'un d'entre eux pensait que c'était peut-être une bêtise de jouer leur jeu. Ça peut être une bêtise quand on joue contre une équipe qui a des joueurs extrêmement rapides devant, mais il faut le savoir, cette tactique, c'est une tactique plus ou moins full attaque. C'est-à-dire que elle est très énergivore et bien sûr aussi. En fait, j'ai pas l'impression qu'en fait, comme je mets pas engagez-vous plus, on a l'impression que c'est pas agressif. Mais en fait, si dans l'esprit avec les consignes particulières, enfin, les consignes par poste et joueur, elle devient un peu agressive comme tactique. C'est pour ça que des fois, par exemple, après ça dépend aussi de la qualité de vos défenseurs. Si vos défenseurs sont bons, tout ira bien. Si l'un de vos défenseurs fait le con, et ben sur une contre-attaque de l'équipe adverse, c'est sûr que là le jouer le hors-jeu peut se s'avérer être dangereux. Mais pour l'instant là par exemple là ça va, Negredo, il marque, voilà. Negredo, il marque, Alvaro, cinquième but de la saison. C'est pour ça je le mets contre des équipes plus faibles parce que c'est bah, il peut encore étaler toute sa puissance face à des équipes un petit peu plus faibles que le Barça et tout ça parce que bah contre ces équipes-là, il peut plus vraiment courir le Alvaro. Donc voilà, et il commence à décrépir petit à petit, donc il faut le ménager, le papy. Attention, Gaillard, Negredo! Eh ben non, c'est à côté. C'est un corner, voilà, c'est un corner, joué en deux temps, joué en deux temps, non. Non, non, eh ben non, 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 pas du tout, pas de 4-0 pour l'instant. Non mais sinon, voilà, bon après, il faut le ménager un peu, le Pepe Negredo, mais il fera l'affaire dans des matchs comme ça, tout ça, c'est... C'est parfait, on a de quoi faire tourner, on est bien je pense pour l'instant. Oh Negredo, bah voilà, de la tête, sa spécialité Alvaro. Sixième but de la saison, 4-0 le doublé. Oh Alvaro Negredo. Voilà, la Ligue Europa pour l'instant, le premier tour, ça lui ira très très bien. Ouais, mais bah là par contre quand même, quelle tête toc, et là, tu peux rien faire bonhomme comme ça. Allez. Peut-être à pas faire de conneries quand même. Oh. Ouais, Negredo peut. Cartabia. Reyes. Negredo. Rui Pedro. Oh, c'était chaud là. Oh, c'était chaud. Attention le corner. Cartabia. Et non. C'est récupéré par Reyes. Reyes de nouveau. Oh. Ouais. Ouais, non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait sortir? Reyes, tu vas sortir, tu vas être remplacé par Dani Parejo, voilà. Je pense qu'à ce moment-là, on peut faire entrer Juan Valencia à la place de Negredo. Et pour terminer, Danilo, tu laisses ta place avec un énorme match de Danilo, remplacé par Novakovic. Mais, oui. Play. Allez. Ah, là, on les a totalement bu quoi. Là, franchement, là, on peut dire qu'on les a bu. Là, c'était de l'eau. Là, le Panathinaikos, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, on les a complètement bu. Attention, peut-être un dernier petit but avant la fin. Parejo de Kaya. Oh, et but! But coaching payant. La rentrée du jeune Juan Valencia. Premier but en Coupe d'Europe et surtout de la saison pour lui. Rui Pedro qui va donner ce ballon. Qui est magnifique. Ouf, super Valencia. C'est bien, c'est très très bien pour la confiance et pour la progression de ce petit jeune. C'est très bien ça. Et surtout que Rui Pedro a pensé à ce petit jeune. Il l'a vu démarquer, il a fait, allez petit, vas-y, marque ton petit but. C'est bien ça, c'est l'esprit d'équipe. C'est bien ça. Voilà, 5-0. Bon bah c'était, on peut le dire, c'était... Oh, bah comme a dit Lewis Hamilton avant de faire un mauvais Grand Prix. C'est comme une balade du dimanche. Voilà, on a fait la balade du dimanche. Bon là, par contre, je fais la vidéo, on est samedi. Mais c'est la balade du dimanche. Hein, parce que là, 36 tirs à 4, 20 tirs cadrés. Enfin, on a plus cadré nos frappes que d'habitude. C'est bien. Ça progresse, ça devient bon. Match nul pour le PSV, la Sociedad qui fait match nul aussi. Malaga qui gagne Maribor. Bon après Maribor, pas compliqué. Naples, je te vois tranquille. City, bah, ils ont bu le pas au cas. Ah, le Milan qui fait match nul. Dortmund qui bat Vitesse, ouais. Ah, bon oui, non mais c'est sûr, après contre Manchester, c'est pas du jeu. C'est pas rigolo.
C'est trop facile. Dnipro, bon, Braga. Bordeaux qui fait match nul contre ce. Contre Saint-Tron. Bravo Bordeaux. Marseille qui bat Stoke. Bravo. Genk qui bat le Dynamo Minsk. Ouais. Leipzig qui gagne 4-1. Ouais, bah, bien, bien. Le Villarreal, ils sortent sur leur succès. Ça va être chaud de les affronter là, quand on va les affronter. Ouais, sur surprise. Ouais. Blablabla. Ouais, c'est cool. Ok, bon, bah, les copains, nous on se retrouve comme prévu pour le match face à Malmö. À tout à l'heure. Et donc, nous revoilà pour le deuxième match de cet épisode face à Malmö. Avant ça, donc, le calendrier, bien évidemment. Après donc la belle victoire face au Panathinaikos, on a battu Majorque 4 buts 1 avec le but de Negredo, Pedro, Van Beek et Cartabia pour un but de Garcia. Une toute petite blessure pour Rui Pedro, 5-6 jours, un petit truc à la concon. Et la Spamas, bon j'ai voulu faire tourner, beaucoup faire tourner, mais bon bah après bah il faut que les jeunes progressent. Bon, on a fait un partout quand même avec un but de Cartabia pour égaliser sur le but de Ibai Gomez qui joue à Las Palmas. Allez, Malmö, la troisième journée de Ligue Europa. Là, on ne rigole plus, on a même fait jouer le gardien remplaçant comme ça, il était content. On remet Bourki. Donc ici, toi, tu t'en vas, toi, tu t'en vas. Pas bon. Je pense pas. Non, et non. Alors, Malmö, bah, Negredo. Johnny ici. Reyes là. Rui Pedro, je sais pas parce que. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, on a Baldé Keita qui est de retour. Tic. Ah bah oui, forcément. Ben après, il me reste la défense centrale, donc là normalement c'est à la place de Mustafi. Voilà. Donc Bourki, nanana, très bien, bah tout le monde va bien. Donc hop et hop. Voilà. Donc. Ah, Novakovic, j'avais pas fait gaffe que t'étais mécontent. Alors pourtant il joue. C'est quoi ton mécontentement, bonhomme? Veux quoi? Veux jouer davantage? Ah, attends. T'as 98 et tu joues pas assez? T'es lourd comme type. Je m'occuperai de son cas. On essaiera de le. Bah, tiens, tu vas jouer. Tiens, allez. Oh, t'es casse-couille. Bah, le plus bas de tous. Reyes. Voilà. Voilà, comme ça, tu vas jouer, bonhomme. C'est bon. Tu es content? Oh. Pire que des enfants dans un magasin de bonbons. Je veux mes bonbons. Allez, on y va. Je veux ces bonbons. Non. Je veux ces bonbons. Non. Je suis pas content. Bon. Voilà. Bah là malheureusement dans FM on peut pas mettre de tarte dans la gueule de ses joueurs donc bah il faut les faire jouer voilà il faut donner le bonbon il faut dire tiens voilà ton bonbon merci voilà mais encore s'il est poli bah ouais non pff, lourd merci bon mais comme ouais voilà mais ouais allez. Allez, on va manger du Chris Brawls. C'est parti. À table, bon appétit. Allez, vas-y, Gaïa. Oh, Gaïa. Ouais. Johnny, Cartabia. Ouais. Gaïa. Gaïa. Gaïa pour qui? Gaïa, là, non? Oui, le but. Danilo. Danilo qui ouvre le score. Et une Chris Brawls. Une. Voilà, ça c'est fait. Gaïa, magnifique travail. Et là, Negredo qui en retrait. Et qui frappe. Oh là là. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Là, on joue. Là, on joue contre Las Palmas. On n'a rien branlé. Mais là, bon, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, après, c'est sûr, à part Negredo, c'est l'équipe type. Attention, peut-être. Non. Cartabia, il est parti en vitesse. Cartabia, le but. Cartabia qui marque. La Ferrari Cartabia. Là, il a mis le KERS, le DRS. Et il a tout mis et hop, terminé. C'est la victoire du Grand Prix. La pole position.
Ta 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 ta. Ah oui, j'avais oublié de compter, ça fait deux Chris Brawls. Bon bah pour l'instant tout va bien hein, comme pour le match précédent face au Pana. Bah encore là pour l'instant c'est le premier tour. Restons calmes, c'est le premier tour, on n'a pas encore affronté tout le reste. Peut-être la réaction des joueurs. Ah oh, pour qui surveille, ça va, attention. Les Chris Brawls se rebellent. Attention. Petit corner. Non c'est dégagé. Se touchant dans les pieds de Malmö. Eh non! Oh, Negredo, a-t-il vu ses camarades? Oui, mal vu. Dommage. Il n'a pas bien. Il est allé trop vite. Ouais. Il est allé trop vite pour un. Pour Papi. Ça va trop vite pour Pepe. Pepe Alvaro, ça va trop vite. Ouais. Cette jeunesse trop rapide, c'est plus de son âge. C'est plus de son âge. Bon, bah pour l'instant, on est tranquille, hein. Voilà. Bon. Première mi-temps, bah oui, y a rien à rajouter à part ne vous relâchez pas. Voilà, parfait, excellent. Excellent, très bien. Super causerie. Champion. Allez, on n'a plus qu'à finir le match, tranquille. On n'est même pas obligé de marquer dans cette deuxième période, faut juste éviter de faire les cons. Bah voilà, Novakovic qui voulait jouer. Bon, sa note n'est pas mirobolante, mais c'est correct. C'est un match correct de sa part. Ta 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 ta. Novakovic, c'est l'Espagne, c'est l'Espagne. Enfin, non, attends, c'est quoi lui? Serbe. Rusnjosen, Novakovic, Novakovic. Là, faut bien s'occuper, hein. Là, on est à 75e. Gomez Danilo, quelle passe, oui, Gaïa. No, Balde, non, but de Negredo. Alvaro, le renard, qui met son petit but dans ce match. 3-0. Gaïa qui a très bien vu Balde. Balde qui a bien vu Alvaro tout seul. Pas un Chris Brawls dessus. C'est dit, bah, ok, bah, merci, hein, c'est sympa. Merci, les gars. Par contre, on touche à rien. En très bonne condition encore. Oh, pourquoi pas, Keita. Oh, attention, go! Oh, dommage. Pierre, il a eu peur. Ah, allez, ça fatigue. Alors, Gaïa, est-ce que j'ai pris Marcos Alonso? Parfait. André Gomez, donc Dani Parejo. Novakovic, il doit jouer jusqu'au bout, comme ça il fermera sa gueule après. On va pouvoir faire rentrer donc le petit jeune Juan Valencia. Puisqu'on mène 3-0. Ah non, bon, il nous laisse même pas faire les changements. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas sympa. Allez, tirez à côté, mettez le ballon à côté, s'il vous plaît. Sortie! Non, merde. Bah, ils vont pas la sortir, c'est qu'on fait chier. Oh merde, j'aurais dû y penser avant. Tant pis. Pas grave. Tant pis, tant pis. Ah bah là, oui, là, ça va filer jusqu'au bout du match. Donc, ils vont pas rentrer les remplaçants. Dommage. Bon, tant pis. Oh, non. J'ai cru à un but, mais non. Le match va se terminer. Et voilà, c'est fait. 3-0, la victoire face à Malmö. Bon, c'était pas trop difficile, hein, face à Malmö. Encore une fois, c'est le premier tour. Là, on y est allé en mode diesel, hein, pépère. Mouep. Et le Pana qui a gagné, hein, on va le voir là. Le Pana a gagné. Donc, PSV continue de faire des matchs nuls. Je sais pas ce qu'il reprend. Sociedad qui gagne, ça c'est bien. Malaga qui fait match nul. Bon, contre Naples, c'est logique. 5-1, City qui se promène. Le Milan qui perd. Lol. Dortmund qui gagne le Rijeka, bon, c'est normal. Magno qui s'occupe de la poignée cosy tranquille. Nice qui gagne, c'est bien. Wow, Paolo, c'est qui ça? D'où est-ce que vous m'avez sorti ça, bande de petits cochons là? Bah ça alors. On se met à acheter des vrais buteurs. On se met à acheter des vrais buteurs. Eh en vrai, prenez des notes. Prenez des notes. Non, je rigole. Valère Germain est un très bon buteur. Enfin, bon buteur. Voilà. On a eu un bon buteur cette année, c'était bien. Enfin, l'année dernière. J'espère qu'il va revenir. Ce sera bien. Surtout pour nous. Enfin.
va nous falloir quand même du buteur, hein, parce qu'on va jouer la Ligue Europa en vrai. Il faut quelque chose quand même. Faut que ça tape. Bon, revenons à nos moutons. 3 victoires en 3 matchs, la qualification est-elle proche? Bah oui, hein. Je veux pas dire non, on va pas se qualifier, on va perdre tous nos matchs, on va faire exprès de se mettre des buts dans nos cages. Bah non, non, couillon. Bah. Allez, donc on se retrouve bah, dans pas trop longtemps pour le dernier match de l'épisode face à l'Atlético. A tout de suite. Bien, donc on se retrouve pour le dernier match de l'épisode face à l'Atlético. Bon, face à l'Atlético, là on rigole plus. Donc, Rui Pedro déjà, tu remplaces Negredo. Novakovic, je dois continuer de jouer. Gaïa, bah tant pis, tirage au bout même si t'es fatigué. Danilo, on change pas, bah, on change rien d'autre. Hein. Ah, encore un qui est mécontent, Vink. Lourd, encore un qui fait chier pour rien. Bon, s'occupera de son cas, c'est pas grave. Ouais, je réfléchis un petit peu, hein, désolé. Non, normalement ça devrait aller. Peut-être attendez. Non, non, c'est bon. Ouais. Eh ben, on y va, hein, c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti face à l'Atlético. Là, ça, on rigole plus. C'est du gros, c'est du gros, c'est du lourd. Confrontation directe. Allez, Cartabia. Ouais. Et y'a... Non. Oh, mais c'est pas possible. Le pas de bol, attention. Correa, il est parti. Oh, bien joué, Valero. Bon, ça va. Ils ont eu chaud pour leur première action. Il va falloir continuer de les embêter comme ça. Deux fois plus. Pour l'instant, c'est calme, mais on a beaucoup d'actions. Hein. On a beaucoup d'actions, nous. On commence à en avoir, mais toujours pas cadré. 5 tirs non cadrés. C'est pas mieux, nous, hein, quand même. Bon, 8 et 2. Balle de Keita. Allez, ça triche. Ça casse les jambes. Bravo. Bravo le respect. Bah, dis donc. Ah, alors. Ouais. Merci pour le ballon. Bah, de rien, il n'y a pas de quoi. Herman, attention. Boum. Ok. Herman. Herman. Attention. Oh, Anto. Heureusement qu'il frappe à côté. Mi-temps. Bon. On va leur dire. Il faut pas baisser le. Hein. Voilà. Peut gagner ce match. Je pense qu'on peut le gagner. Ça peut jouer à pas grand chose. Par contre, de l'autre côté. Alors donc, on a voulu la jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. On va se venger. Je suis désolé. On blesse pas un de mes joueurs comme ça. Sans subir les conséquences de ses actes. Ça va pas, non. Bande de salopards. Vous allez voir ce que c'est de me casser des joueurs. Bon. Eh ben on est parti puisqu'il peut tenir encore un peu. Cette deuxième mi-temps, il va falloir marquer. Attention Herman. Ok Herman. Sur à quoi qu'il a? Ah, on peut pas savoir. Dourme. Attention. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, Baldé, Keita il est parti, la Formule 1. Le DRS. Oh non, c'est un corner. Alors, en deux temps ou direct. Direct. Non. Baldé là. Oh, pourquoi pas, Gomez. Oh, Rui. Non, dommage, au black est là. On réplique. Bon, par contre, Pedro, va falloir bouger. Gaïa. Attention, c'est Mustafi, Johnny, Danilo. Danilo. Ouais, Cartabia. Ouais, André Gomez pour Johnny, sans doute Johnny. Et non, Baldé, dommage. Allez, le corner en deux fois ou tout direct? En deux fois, Baldé, super. Pourquoi Gomez? Non. D'accord, tout ça pour ça. Lourd. Il faut en demander plus à tout le monde.
Valero n'est pas loin de la rupture, il faut le sortir. C'est jamais bon de sortir un défenseur, mais quand il est cramé complet, on est un peu obligé. Qu'est-ce qu'on peut faire qui pourrait faire pencher la balance? Rui Pedro, il est pas dans son assiette, mais le problème c'est que sur toute action, on pourrait avoir quelque chose de bien. Alors justement, sa blessure, c'est quoi? Haleine. Ça peut devenir gênant. On va faire rentrer... J'ai une idée, on va faire rentrer Negredo, mettre sur le côté Rui. Voilà. Non, Baldé, là, je crois qu'on va le perdre pour un petit moment, parce qu'Haleine, c'est jamais bon. 22 tirs, 6 cadrés seulement, je comprends pas. Pourtant, on avait réglé nos problèmes de finition, mais non. Ça revient aussi sec. C'est pas possible, hein, on attaque plus bientôt. Allez, les gars. Gaïa. Oui, Gaïa. Johnny. Johnny. Allez, Johnny. Allez, Hallyday, non! Oui, le but de Cartabia! Oui, bonhomme! Enfin! 77ème, 78 presque, 77, 45, 6, 7, magnifique frappe. Ah là, 8, 7, 8, 7, 8, on va dire. Ignoré. Oh là, quel but! Quel but! Allez, on finit ce match. Oh, c'est super là ce qu'on fait. Allez, Rui! Voilà, faut se réveiller un peu. Oh, Negredo! Alvaro! Papi! Negredo! Oh oui, bonhomme, excellent, mais excellent. Voilà, Rui, ça va mieux. Gomez direct, et là Negredo qui va faire un petit ballon. Regarde, chou! Voilà, terminé. L'expérience de Negredo, magnifique. Oh, le coaching gagnant, même. C'est même plus payant, c'est le coaching gagnant. Par contre, Gaïa est au bord de péter un câble. Voilà, non, mais je l'avais pas pris Vingt avec nous. Hop, voilà. Mais quel match, bonhomme, enfin! Enfin, on s'enlève les doigts des fesses contre un gros. Eh ben, il était temps. Voilà, par contre, quand même. Oh là là, les dernières secondes. Faites pas les cons. Non, c'est pas Van Beek, c'est l'autre. Je sais plus son nom à la con, là. Gomez. Oh, Rui, non. Allez, les dernières secondes. 2, 1. Non, c'est terminé, c'est fini. La victoire 2-0 face à l'Atlético. Oh, la belle victoire. Ça, c'est une victoire importante. C'est bien ça. Bon, on la mérite quand même, hein, notre victoire. On la mérite. On est allé la chercher. Et on prend la quatrième place à égalité avec le Real. Mais que fout le Real cinquième? Oh là 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 là. Quel championnat pour l'instant après 9 journées. C'est serré, hein. Voilà, le Barça premier, bon ça c'est normal. Séville, on peut dire, bon, à peu près normal. Normalement ça doit être le Real ici, ou le Barça, ou encore l'Atlético. Mais on va dire que les six plus gros sont devant. Les six gros sont devant. Bon, il manque Bilbao qui devrait être un petit peu plus par là, Sociedad aussi un petit peu plus par là. Mais pour l'instant, là le championnat, ah, c'est chaud quand même, c'est chaud. Mais on a fait la victoire qu'il fallait, la victoire qu'il fallait face à l'Atlético, à la maison. Ça a aidé surtout, ça a aidé ça de gagner à la maison. Ça a vraiment aidé. Alors combien de temps? Oh putain, un mois quoi, quasiment. Ouais. Pas en confiant qu'il est. Ah ouais, c'est la perte de Baldé. Ça va être un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah sinon, prochain épisode, les enfants, il va y avoir du spectacle. Parce que là, comment vous voulez qu'on passe une saison rapidement en Espagne? Il y a tellement de gros matchs. Regardez-moi ça. Après Levante qu'on passe, on a le Barça, Ligue Europa face à Malmö et Real Madrid. C'est-il pas bon ça? Mais c'est énorme! Quel programme la prochaine fois? Sincèrement, là, on a. En Espagne, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Sincèrement, il y a de quoi s'amuser. Bon, bah voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description, hein, bien sûr. PlayStation No, Instant Gaming, un petit tour sur la bande si vous le souhaitez. Le Twitter, il y a tout, il y a tout ce que vous voulez. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode, je l'espère, tout aussi sympathique et rempli de buts qu'aujourd'hui. À la prochaine les amis. Salut!